Et bonjour à tous les amis, ici Réflexion, votre unique compagnie pour cette suite assez incroyable de Scribble Not Unlimited. Et on continue un petit peu, alors on était au truc de Superman, si je me souviens bien. Bah, de toute façon, ça peut être que ça, vu que je vois qu'on n'a pas la Starite. Où est-ce qu'elle était d'ailleurs, au passage, cette Starite? En tout cas, on va commencer par ça. D'accord, là on vient de réussir l'anneau en feu alors qu'on ne faisait absolument rien. Comment on fait pour toucher ces types, bordel? Attends, on va prendre un arc. Ça devrait mieux fonctionner avec un arc. Voilà! Je l'ai eu ta cible. Là il faut attendre que l'arc se repose un peu. Et plan! Eh, viens ici, toi! Qu'est-ce que tu cherches? Merde, j'ai cassé la récompense! Ça, c'est con, tiens. Bon! Où il est, notre ami Superman, avec ses pouvoirs naturels? Pareil, hop, sac poubelle, on casse. Ça, c'était quoi, en fait? Du papier! D'accord! Mon avatar est pris au piège. Et ben on va utiliser ça. Comment on fait pour les utiliser? Ramasser. Ah d'accord. Et comment on fait pour désactiver cette merde? Excellente question. Alors attendez, oui, ce qui pourrait être ce levier. Bah je sais pas moi, hein, mon ami, tu peux rester coincé, écoute. Levier. Peut-être qu'il faut invoquer un levier. Ah non, il est là. D'accord. Ouais. Et merde. Comment je fais pour me libérer, moi? Ah bah d'accord. Bah c'était tout con en fait. Bon, retrouvons notre ami. Ah, c'était ici. C'est moi ou c'est un lutteur là? Aidez-moi à ne pas être vu. On va faire ça vite fait. Invisible. Voilà. Notre ami a réussi. Bon, démarrons le truc de Superman. Superman, tu avais raison. C'est Général Zod. Zod? L'heure du châtiment est venue, fils de Jor-El. Doppelganger, mais comment as-tu trouvé cet endroit? Mon meilleur ami m'a expliqué comment venir ici. Pourquoi relâcher Zod? Ne sais-tu pas ce qu'il est capable de faire à ce monde? Mon meilleur ami a dit que le général Zod avait quelque chose pour moi. Qui est ton ami? Tout le monde s'en moque, Kal-El. Je suis la seule personne dont tu devrais t'inquiéter. Doppelganger, crée le Phantom Zone projecteur pour moi. Adieu, Kal-El, je t'abandonne au sort que ton père m'avait réservé. Oui, c'est tellement plus gratifiant que je ne l'aurais imaginé. Et maintenant, mon petit, Doppelganger m'a parlé de toi, mais je crois que tu mérites que je... t'élimine personnellement. Doppelganger, quelque chose pour s'occuper de cet enfant. La meilleure chance pour trouver un moyen de l'endormir. Fatigué. Bravo, maintenant ramasse-le et mets-le dans quelque chose qui peut l'envoyer dans l'espace. Une fusée. Lui, on va le mettre... Ah, on peut déjà le mettre portable. Voilà, on s'en débarrasse. Bon, eh bien, on va pouvoir... besoin de quelqu'un de peu plus sérieux pour s'occuper de toi, Doppelganger.
L'anti-moniteur, Maxwell, il est fait d'antimatière dans son armure. Il ne peut pas survivre dans notre monde. D'accord, un explosif collant. C'est tout ce que tu peux faire, Doppelganger? Aucune chance qu'il puisse battre un Arcig énorme volant et supersonique. Son propre laser peut le terrasser, créer quelqu'un qui l'attaquerait et lui réfléchirait son laser pour le renvoyer droit sur lui. A fucking mirror. C'est juste, ça marche? D'accord, on peut donc libérer Superman. Et voilà, j'ai libéré Superman. Et comment je peux faire pour envoyer le général Zod? Ah ben voilà, c'est fait! Non, pas encore! Zod a échoué, tu n'es pas de taille face à leur puissance combinée. Inutile d'entreprendre quoi que ce soit, reviens me voir. Cette voix, c'est elle à nouveau, elle est si familière, oui, je ne peux plus l'entendre. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, Maxwell, très peu sont parvenus à tenir tête au général Zod comme cela. Selon moi, ça fait de toi quelqu'un digne de la Justice League. Quand j'étais emprisonné dans la Phantom Zone, j'ai compris ce que Doppelganger voulait dire quand il a dit que général Zod avait quelque chose pour lui. C'était cette starite, le fantôme jaune projecteur l'a sûrement absorbé. D'accord, mais donne-moi la fantaïte. Ouais, génial. Et nous montons donc à 2300, donc on pourra enchaîner sur l'histoire de Superman, tout simplement. Combien de temps il reste? Il reste 12 minutes, donc nous avons peut-être le temps d'aller voir Flash. Peut-être. Central City. Chez Flash. Maxwell, c'est ça, elle m'a dit de t'attendre. Il a dit que tu l'as vraiment aidé contre Sinistro, et si cela est vrai, alors tout ami de Hall est un de mes amis. Ouais, Green Lantern et moi étions, attends un instant. Désolé, les choses sont plutôt mouvementées en ce moment. D'accord, il va participer à une course, mais t'es sérieux là? Ok. Ok, pourquoi pas. Alors, peste zombie, tout est zombifié. Non. Toi, tu vas te calmer tout de suite. Comment on va faire pour s'occuper de ce truc? Ah, je sais, un petit bazooka, ça fait longtemps. Voilà, KO le gros dino. Bordel. Elle est jolie, cette ville, avec la statue de Flash et tout. Moi, j'aimerais bien savoir où on doit se rendre... Pour la Starite, en fait, le reste, je m'en fiche un petit peu, au final. Il n'y a que l'histoire du jeu qui m'intéresse. C'est pas par là. On casse la maison, parce que fuck it. Tu veux une attraction, un bâtiment. Eh ben, voilà un café, mon ami. J'espère que tu es heureux. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Il te faut une arme. Tiens. Bah, il s'est tué tout seul, notre ami. Tant pis pour lui. Bon, ajoute un adjectif. Volant. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-haut. Par contre, il va falloir se rajouter un adjectif aussi, c'est rapide. D'accord, il n'y avait rien du tout là-haut.
Aucun intérêt de monter. Te faire tomber du ring. Et ben c'est parti. En même temps je vole, donc c'est normal que t'aies un peu de mal. Ben, je l'ai tué plutôt que le faire tomber, mais bon. Tiens, un drapeau. Du coup, c'est où qu'elle est la Starit? Ah, elle est ici, d'accord. Eh ben, go démarrer ça. Salut Maxwell, bienvenue à la course de bienfiance, ravi que tu aies pu venir. Et c'est bizarre, assez bizarrement, c'est une course qui se fait pourtant quelqu'un sur le dos. Et si je grimpais sur ton dos afin de veiller à ce que Doppelganger essaie pas de frauder? Génial! Hop, et on monte sur Flash! Bonjour tout le monde, je suis votre célèbre arbitre pour cet événement de bienfaillance Booster Gold. Hein, ce type? Et jolie dame et monsieur, moins bien que moi, voici les règles. La course consiste à aller faire le tour du mât placé à mi-parcours, puis à revenir. La récompense aujourd'hui est une chose brillante que j'ai trouvée dans une allée il y a un petit moment. Et n'oublie pas, pas de triche, je surveille. D'accord. D'accord, c'est quoi cette triche? Comment on va faire pour faire ça? Comment on peut se décoller du goudron de l'eau, peut-être? Non, parce que le problème de l'eau, ça va pas. Attendez, il me faut de l'eau. Non, bon, bah écoutez, je comprends pas comment on peut retirer le goudron, bah... Peut-être comme ça, attendez, adjectif inefficace. Voilà, c'est écrit comme ça. Non, ça marche pas. Ah d'accord. Mais t'es sérieux là? Mais c'est quoi cette triche? Quoi? Eh mais oh, et c'est quoi cette triche de ouf? Ventilateur en plus, ils ont de l'avance, je vois pas pourquoi ils trichaient. Voilà, le ventilateur. Quoi? D'accord, et eh ben ils ont perdu. C'est une réussite de Flash, les amis. Et voici votre récompense. Toi et tous ceux de la Justice League devez aider ce garçon et sa sœur à récupérer toutes les starites quoi qu'il en coûte. Si vous y parvenez pas, il n'y aura aucun futur. D'accord, et bah c'est magique. Merci de m'avoir aidé, Maxwell. Tu as fait un bon boulot en aidant Flash. Ouais, c'est bon, c'est bon. On s'en fout de votre histoire. Allez, starite un petit peu. Yeah, c'est un succès déverrouillé, excès de vitesse. Ça c'est cool. Bon, on va se rendre chez Batman pour monter un peu nos points à Gotham City, ça serait pas mal. Non, c'est pas là qu'il faut se rendre, c'est là. C'est aussi chez Batman, mais bon, c'est mieux ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Aidez-moi à faire entendre ma voix. Bah, tiens, un micro, mon ami. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de choix?
Ouais, j'en sais rien, c'est trop compliqué, on va voir si j'y suis. Un squelette peut-être? Non, c'est pas ça. Bon, ici c'est quoi son truc? Ce chat color point short chair est encore sale. Eh bah tiens, tu vas le nettoyer, attends, on va te donner du savon. Non, tu veux pas? Bon bah dans ce cas, je vais le nettoyer moi-même apparemment. D'accord, je viens de débrancher mon casque, c'est génial. Donc je n'entends plus rien, c'est magique. Ça m'était jamais arrivé en vidéo, tu vois, ce genre de fail. Voilà, c'est réglé. Bon, on va lâcher ceci. Créer quelqu'un d'autre sur qui supporter leur attention. Le Joker. Non, c'est pas ça. Ils veulent peut-être un super-héros. Hein. Bon, on va invoquer Superman, ça va être plus rapide. Voilà. Non, je suis pas prêt de partir, non. Bon, comment on fait pour aller là-haut? Volant. Comme ça, on s'embête pas trop. Ils sont sérieux? Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée, mes amis, je vais vous y amener, moi. Ça, il faut que je me mette rapide. Ajouter un adjectif portable. On va tous les mettre portables, ça va être plus simple. Et ben c'est parti, vous y êtes. En voilà un. On va leur amener Mario aussi. Hop. Et maintenant la dernière. On va aussi simplement mettre portable. On s'embête pas trop, ça rapportera moins, mais bon. Au moins ça rapportera quelque chose. Voilà. Civil évacué. C'est magique. Du coup. On va recommencer, hein, il nous faut encore plus de points. Seuls les personnages féminins de l'univers de DC et des adjectifs sont autorisés. Ok. Ouais. Eh oh, tu vas te calmer, mon ami. D'accord, bah... Est-ce qu'on peut l'invoquer? Allez, dégomme-le-moi. Quoi? Invincible. Bon, on va réinvoquer quoi alors? Catwoman, tiens. Voilà, il est KO. Alors, on va enlever l'invincible parce que ça enlève des sous. Non, j'ai dit on enlève l'invincible. Voilà. Pratique. Et merde, je suis mort! Tôt! Ça, c'est con, tiens. Bon, qu'est-ce qu'on a à nous proposer par ici? Voilà, c'est fait. Aide-moi à finir ce jeu vidéo. T'es sérieux? On peut jouer vraiment à un jeu vidéo? D'accord. Et on doit aller trouver où tes pièces, mon ami? Ah, c'est moche l'écran, quand même. C'est sûrement à l'étage, à mon avis. Bon, on va faire ça, et ensuite, à mon avis, les amis, ce sera la fin de l'épisode, ce sera là où je vous quitterai.
On va monter là-haut, on va récupérer ces pièces. Et je crois que l'autre est par ici. Non, même pas. Je dois faire moins de bruit. Voilà. Elle est où la troisième pièce là? Là-haut peut-être. Écoute, on t'occupera de toi après, moi j'ai besoin d'une pièce. Voilà. Je me dessèche, un aquarium pour toi mon ami. Voilà. Toi on va te mettre forte. Alors on va mettre ça petit. Non, je ne veux pas. Bon, écoute, ça marche pas, ça va être simple. Portable. Et moi, je suis volant et rapide. Voilà. J'ai presque pas aidé, là. Bref, les amis, c'était Réflexion en votre unique compagnie sur Scribblenauts Unmasked. Ciao, bye bye.